Parce que je fais comment du coup? J'adore le parmentier de canard, mais j'ai jamais cuisiné moi-même. Genre, comment tu fais? Tu prends une cuisse de canard et tu la fais confire, c'est ça? Et après, tu fais un effiloché de canard? C'est quoi la strat? J'avoue que Maïté qui nique des anguilles, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait plus le faire aujourd'hui. Terrible. Terrible quoi. Terrible. C'était mieux avant. Oh, ça doit être facile à faire en vrai du coup. Ça se fait, je pense. Ça se fait. Ouais, en fait. Ouais, j'ai jamais fait de confit de canard, mais ça doit pas être bien sorcier en vrai. Un confit de canard à faire. Mais c'est trop bon au canard en vrai. C'est incroyable, je trouve. Je regrette de pas avoir Maïté dans Top Chef à côté de Vetchebest. J'avoue. Tu te prends déjà confit, c'est très bon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu peux acheter directement en confit, oui, c'est vrai. J'avoue. Mais d'ailleurs, le hachis parmentier doit avertir des plaques qui sont meilleurs réchauffés. Genre là, mon hachis, déjà hier, il était incroyable, mais il est encore meilleur qu'hier, là, mon hachis. C'est archi bon réchauffé, je trouve. Comme le gratin dauphinois, en fait. C'est incroyable réchauffé. Oh, j'ai une Kindred. Ouais, mais Kindred là ça se joue plus trop. Après, ça snowball, mais bon. Ça snowball encore Kindred, mais bon. Peut-être faire ça du coup plutôt pour snowball. J'ai que des level 1, ça fait chier. J'aimerais bien avoir des upgrades. Des upgrades. Est-ce qu'on peut jouer Hunter après mais... A voir. A voir, à voir. Oh! Ah, je peux t'en acheter Annie! Bon, c'est pas très grave parce que j'ai pas eu de time catch, mais j'aurais eu le seum. Chier. Bon, c'est pas très grave du coup, mais. J'aurais pu être triste quoi. J'ai pas vu d'élu par contre encore. Bon, je pense que je fais pas de Sunfire tant que j'ai pas vu d'élu. Bon, je pense que je vends ça, je pense, Nick. Je perds ce fight. Pourquoi ça se joue plutôt au Kindred? Parce qu'en fait on joue Kindred qui portait les items de Harry quoi. Et comme là Harry c'est quand même vraiment bien nerf, c'est moins bien quoi on va dire en early. Egata! Ah j'ai gagné. Ça alors. Ça alors. Est-ce que je peux avoir un élu stylé s'il vous plaît? Elle est sur suspense. Oh mon dieu martyr. Oh bordel de queue putain. Oh zombie. Zombie la mouche. Retour des 6 fortunes. C'est chaud de retour si fortune là. Là je suis pas bien parce que j'ai pas le win streak en fait là. Oh ouais ça va être chaud si fortune là. Quand même. Bon je sauve pas Ali hein. Parce que si on veut jouer si fortune on va la garder toute la game. On va voir si on perd ou pas. Oui, Harry c'est encore jouable, mais tu peux pas décréter que tu la forces comme avant quoi, en début de partie. Bon, là on perd. Le problème c'est que si tu... quand tu joues aussi fortune, faut pas lose streak quoi. Il faut win streak en vrai. Donc bon, c'est toujours un peu chiant. Bordel cette game quoi. Je pense que je repré push dans l'espoir. Je dis bien dans l'espoir. Je m'en fous d'avoir Warlord hein.
Je me repose dans l'espoir d'avoir une Sejuani très tôt en fait. Pardon, c'est le Covid qui commence à m'attaquer là. Ah, pas du tout. J'espère pas en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours la crève à cette période de l'année, moi. J'ai la crève entre novembre et juillet. Ce qui fait une grosse crève. Hein. Bon, du coup, on va gagner. On leur a fait une défaite. Bon, on voulait pas spécialement le streak de toute façon là, en vrai. Je mange un hachis parmentier. Est-ce que tu as des allergies alimentaires? Alors, je suis intolérant et non pas allergique à la cacahuète. En gros, si je mange de la cacahuète, je vomis. Globalement. Voilà. Sinon, je suis intolérant au blanc d'œuf cru. Genre, je vomis pas, par contre, je le digère juste pas, quoi. Et je suis intolérant à la moutarde aussi. Genre ça me pique la langue et je digère pas bien. En sachant que en vieillissant, je suis de moins en moins intolérant. Enfin ça dépend. Il y a des sujets où je suis très intolérant en vieillissant. Non je rigole. Genre vraiment il y a des trucs où je suis très intolérant. Par exemple l'immigration. Non je rigole. Et pas taper ça va je rigole. Et commencez pas à casser les couilles. Hein. Et commencez. Non. Je disais, il y a des aliments, par exemple, tu vois. Genre, quand j'étais petit, j'arrivais pas à manger de mousse au chocolat, quoi. Parce que je la digérais vraiment pas. Parce qu'il y a du blanc d'œuf cru dedans. Et en vieillissant, ça j'arrive presque à en manger maintenant, en vrai. Je sais pas si c'est logique, en fait. Que des allergies soient moins allergiques. Enfin, qu'on perde un peu les allergies. Ça m'a l'air logique en soi, parce que le corps il évolue, mais. Tu peux en avoir des nouvelles et les perdre. Mais est-ce que c'est à cause de la 5G ou pas? Est-ce que c'est à cause des rayons de la 5G? À votre avis. T'as 4 goals, yes. Bonne économie ça. Attends, je vais reprendre du hachis parmentier parce que j'ai encore faim. J'arrive. Mais non, en vrai, il y a les allergies qui sont ultra vénères. Genre, bah, je sais que Younid, il est turbo allergique à la cacahuète, mais genre vénère quoi, tu vois. Je ne suis pas le Merci Zakwak, 20 mois d'abonnement, merci beaucoup, mec. Ça doit être battant, c'est quand t'es mortellement allergique à quelque chose, quoi. J'ai la chance que ça soit pas le cas, mais. Il y a un monde où. Parce que qu'est-ce qu'on va jouer dans cette game? En vrai, c'est la vraie question, ça. Ah, double Jinx. On va quand même pas jouer ça, si. Ah non, on va pas jouer ça, le chat. On va quand même pas jouer ça, si. Est-ce que c'est le retour de la game Si Fortune? Est-ce que c'est l'incroyable retour de la game Si Fortune? Parce que je pourrais presque jouer Warlord aussi, en vrai. Là, j'ai envie de level up direct.
Vous croyez que c'est maintenant là ou pas? C'est obvious. Parce qu'on peut jouer au Warlord aussi, vous savez, les gags. Ton prono sur Tank, ton prono Biden ou Trump? Ben je sais pas, ça a l'air très serré hein. En tout cas, ça se resserre en tout cas dans les swing states. Alors. Bon, j'ai push 6 et j'ai perdu. En même temps, je suis pas si fort que ça, faut dire. C'est chier ça. Quand tu push et que tu perds, c'est un peu que c'est la merde quand même quoi. Je peux rien vendre là pour avoir les gold. Fuck. Ou alors plutôt pas de Tam. Non mais Tam, on va le trouver, c'est pas un souci en soi. Donc bon. S'il y a que ça, tu vois. Bon. Là, le fait de perdre, c'est chiant pour l'écho quand même. C'est mardi les élections. Vous savez que je n'aime pas d'item comme je sais pas trop, mais. Ça dépend de si je trouve une sèche ou pas, quoi, on va dire. En fait, on a fait top 1 avec Warlord, avec Sea Fortune tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. La vidéo est sur YouTube d'ailleurs. Il faut le dire, un grand progrès technique. Hein. Un grand progrès humain et technique. Mais ça va être serré, je pense, à mon avis. Après, c'est rare qu'un. C'est rare qu'un président américain, comment dire, soit pas réélu en fait. C'est ce qui me fait dire, tu vois, que. Si je devais parier, je parierais plutôt sur Trump, quoi. Parce que les présidents américains, en vrai, ils sont souvent. Ils font souvent deux mandats, quoi. Enfin, en France aussi, hein. En France, ils faisaient tous deux mandats avant. Avant Sarko, quoi. Après, ça a été la Hesse après, mais. Ça a été. Y'a un monde où je gagne ce fight ou pas? Après, si je perds, ça fait une loose streak avec peu de PV perdu, c'est pas si mal en vrai. Mais bon. Je gagne là, non? Ouais, yep. Bon, bah, je vais cash-in du coup. Je vais prendre mon hachis parmentier. Je reviens, attends, je vais cash-in et je reviens. Oh, double sèche! Oh putain! Oh, what the fuck! Bon, bah, vous savez ce qui nous attend, le chat. Hein. Attends, là, deux secondes, faut absolument que je roll en fait, du coup. Faut que je trouve un time catch maintenant en fait, là. Je suis obligé là. J'ai la poisse là en vrai, non? Je suis trop deg, je vais trouver Tame Genge. Je suis archi deg. Bon, ma rip. Bon, je reviens, je vais prendre mon super mentier du coup. Ça, vous en avez vraiment à quel point ça nique ma game de pas avoir trouvé Tame Genge là. Parce que là, là en vrai j'ai niqué mon économie alors que j'aurais dû être trop bien dans la partie là en vrai. C'est terrible, c'est vraiment terrible pour le coup. Elle était pliée la game hein. La game a été giga pliée là. Mais ça m'a giga troll du coup. Ah je suis deg, je suis au bout de ma vie là. Après je vais avoir une Brumble, c'est cool. T'as trop commis, tu pouvais attendre de l'avoir tout en écho. Non, en fait tu peux pas attendre quand t'as en 6 fortunes. En fait, quand t'as, plus t'as, même si je suis à 0 gold, 6 fortunes c'est tellement fort en termes de stonks que c'est mieux que l'écho en fait. Et surtout, quand t'es 7, c'est plus dur de l'avoir. Surtout, c'est ça qui est important de retenir. Bon, attendez. Là, faut que j'aille le chercher, j'ai pas le choix de toute façon. Ah, ça va me dégoûter ou pas là, franchement. J'ai ses Juani 2. Ok, je peux Tame Genge. Attends, mais elle est incroyable cette game en vrai, no joke. Oh, mais je vais tellement encore faire top 1 en 6 fortunes. Ça ferait 2 dans la même journée quand même. Ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup de top 1 là quand même. Bon bah, GG. Eh bah, c'était sympa en tout cas. Bon, moi je mange moi super bon aussi. J'espère que vous kiffez le spectacle, vous. Hein. Par contre, si je perds, j'ai le seum. Hein. Ah, je vais perdre, je suis trop deck. Comment je perds là? Comment se fait que je perde ce fight? Est-ce que je perds déjà? Ouais. C'était close, hein, putain. Je gagne, mais c'était super serré quoi. J'ai failli perdre. Ça aurait été triste en vrai de perdre ici. Après, la compo est pas mal contre moi, la sienne.
J'adore quand ça commence comme ça. J'adore quand ça commence comme ça en vrai. Ça commence bien. Là, dès qu'il me donne de la légendaire, je fais direct une légendaire level 2, hein, nique sa mère. Hein. Ça part direct là, les gars. Oh. Elle va être incroyable cette partie, c'est sûr en vrai. Ouais, je vous le dis, hein. Je suis devenu un OTP 6 fortune. En plus, c'est dommage, je mange moins Chipparmentier, elle serait moins bien pour YouTube cette vidéo, mais. Voilà. Allez, 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 allez. Allez, allez, pitié, 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 pitié. C'est bon, c'est win, c'est win, c'est win, c'est win. Oh là là, allez, une légendaire. Fais une légendaire, s'il te plaît, allez. Une grande légendaire là. Ok, j'ai eu une armure. On va avoir tellement d'items dans la partie. Oui, en fait, là, surtout, on l'a eu tellement tôt le 6 fortune, c'est free en vrai comme victoire. Non, on fait pas Annie 3 Pokchamp, désolé. Ok. Je pense que là il faut qu'on roll un peu pour se trouver un truc fort pour stab. Genre là faut rentrer Vanguard, c'est sûr en fait. Faut rentrer Thresh en gros, je pense plutôt. Je pense qu'on veut Thresh là. Faire spell crit, je pense. Ça a été nerf, mais c'est pas grave. Ok. En fait, je vais faire Jinx 3, hein, Nick. Hein. On va trop snowball avec. Hein. Là, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis proche d'avoir la Jinx 3 là en fait. Il manque deux Jinx en fait, c'est trop bien. Le fight il est free win. Ma Katarina elle fait du bon taf hein. En même temps elle est passée de super vite, du coup elle a bien snowball la Katarina. Est-ce que je vais le Time Kench pour avoir Non, j'ai tellement de gold, on va essayer de faire Time Kench 2 plutôt hein. Ça me paraît bien comme ça. Alors, j'ai un coup de main de Nico encore. Je pense que je vais la chercher ma Jinx hein. En fait c'est juste tellement free win après pendant 1000 ans. Après est-ce que j'ai vraiment envie de la double Nico? J'aurais bien fait un seul Nico dessus mais bon, vas-y je mange la double Nico. Maintenant je peux AFK pendant une éternité limite quoi dans la game. C'est trop fort là je pense. En vrai tu vois on aurait pu se dire qu'on attendait mais en fait chaque défaite c'est tellement de ressources en moins chaque défaite. Du coup pour nous être sûr de win streak c'est incroyable en fait. Parce que chaque défaite c'est genre moins 12 gold un truc comme ça limite. Mais par contre si je perds avec Ah je vais perdre avec Jinx 3. Ah ouais non c'est trop par contre là. Oh. Wow. Kata 3 non on s'en fout de Kata 3 c'est pas le carry. Là je voudrais rush 9 mais j'ai perdu Smite, je suis trop deg en vrai là. Terrible quoi. Putain je suis deg d'avoir perdu. Zoubi. Je pourrais gargoyle sur scène mais j'attends parce que je vais avoir tellement d'items en fait que je vais essayer de faire un croc du dragon pour bien optimiser son stuff plutôt. A mon avis c'est better. Le mec il vient de voir ma Jinx 3. Ouais on peut QSS sur Jinx aussi vu le stuff. Tout à fait, on peut QSS ou GA aussi. Du coup on va la jouer toute la game la Jinx, c'est quasiment sûr. Ouais c'est sûr en fait là. En fait faut rentrer un Jin avec je pense tranquillement. À moins qu'on essaye de jouer quand même Sketch Sharp mais je pense pas hein. Et la Jinx faut pas qu'elle bouge, non c'est de la merde. C'est pas fou. Alors, on est bien, en vrai le mec m'a battu mais je bats quasiment tout le monde dans la game hein. On est vraiment trop fort là. Je pense qu'on pourrait rester sur 4 sharp et pas jouer de légendaire et essayer de jouer Sage 3, Jin 3 aussi.
Mince. Je suis chaud pour la QSS, mais bon. Bon, je prends un arc, hein, du coup. Hein. Nick. On va prendre un arc. Je peux prendre l'armure à 1 gold. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Donc là, une défaite et une victoire, du coup. J'ai encore une armure, du coup. Super. Ouais, on pourrait runade sur la Jinx, j'avoue. Non, je pense pas, non. Je pense qu'on va Brumble. Un autre tank. Pour l'instant, je fais ça pour l'instant. Là, on chill level up tranquillement. Limite, je préfère faire Ginzo QSS sur Jinx. En vrai de vrai. Comme dernier item. Ok. Nice. Bah ouais, là, faire Ginzo au QSS, quoi. Surtout qu'on est pas pressé, quoi. On est absolument sûr d'avoir l'item, quoi. On est absolument sûr d'avoir l'item, quoi qu'il arrive. Vu qu'on va toucher des items en veux-tu en voilà, quoi. Encore du stuff. Ça, je vais donner ça à Jin, je pense. Giant Slayer. À mon avis. Ok. En fait, on a plein d'items. Vous voyez, on snowball bien là. On snowball pas mal là. Bah, surtout, en fait, c'est les deux coups de main de Nico qui m'ont fait snowball. Hein, surtout. Les coups de main de Nico, c'est le plus fort en vrai. Et ouais, vous êtes ceux qui ont vu la vidéo YouTube et qui sont venus sur le stream. Et ben voilà, nous revoilà. On est de retour en 6 fortunes, les gars. Et ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir à la famille, ça. Il est fort en face, hein. Anicast, Anicast, Anicast. Elle a pas casté, adieu. Ah putain, la Lilia qui m'a fumé au level 7, quoi. Oh, je me fais fumer par une Lilia au level 7, quoi. Super. Alors. Non, là pour stab, il va falloir qu'on commence à entrer de la légendaire. Genre un Azir 2 pour protéger là. Ça va être important en vrai. Alors. Ok. J'ai ma QSS, je pense que ça part sur QSS direct, hein. Clairement. Sèche, c'est trop bien. Bon, j'ai un Atrox 2 du coup. Ça me va, hein. Là, il nous faudrait un Jin. Un Jin, ce serait bien. Ah, je trouve une Cassio 2, du coup je la rentre, hein. Mais bon, on se fait chier quand même. On a grave besoin d'avoir ça. Pour le coup, ce serait trop fort. La baguette, je sais pas ce qu'on va faire avec, mais peut-être pas un Morello sur 7 vu qu'elle a déjà une Sunfire, mais bon. Genre là, c'est un peu dommage, comment dire, de pas avoir de. En fait, tu vois, la Vayne, c'est comme si j'avais un perso en moins, quoi, limite. Après, elle rentre Dusk maintenant pour un ou deux tours, mais. Ah, c'est chaud. Ok, ça va, ça passe. Ouf, c'est serré, hein, putain. Vein 3 ou émeute? Bah, au level 8, on risque d'avoir des grosses émeutes là, je pense, à mon avis. Hein. Clairement. Cassio 3, c'est une dinguerie si tu trouves le buff et le one shot la team adverse. Ouais, bah oui, mais bon. Eh oui, mais bon. Moi, je veux bien. Hein. Ok. Pour être locked, par contre, en vrai. Putain, je rush 9 du coup là? Ouais, je peux rush 9 large, hein, c'est sûr, hein, mais bon. Vas-y, meilleur locket. Vas-y, mon meilleur locket sur. Je vais faire CH3 de toute façon, les gars. C'est parti, hein.
Allez, c'est parti. Si elle veut bien prendre l'item. Tellement bugué. Pourquoi tu prends pas les talons? Je sais pas, je peux me les foutre dans le cul les talons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quoi? Excuse-moi de parler un peu cru, mais. C'est un petit peu cru comme façon de parler, mais. Qu'est-ce que je fais avec les talons quoi? Ah, tu vois là, je perds, franchement, j'arrive pas à win streak quoi. Faut Jean. Avec fortune, tu peux avoir des items kata et talon. Ta Jinx c'est déjà stuff. Il troll ou pas à votre avis? Non, je pense qu'il troll. À mon avis, il troll 100%. Moi, je pense qu'il troll, les gars. Moi, je suis sûr qu'il troll en vrai. C'est sûr, il troll en vrai. Moi, je dis 100% il troll en vrai. J'ai une Riven 2, mais je peux pas la rentrer, c'est pareil quoi. Si en vrai elle sert à rien, mais bon, Cassio c'est fort quoi. C'est mieux que Riven en standalone quoi. Ouais. Ah, il troll, c'est sûr. Moi je dis il troll, les gars. Moi je pense il troll, moi à mon avis. Ah putain, c'est vrai qu'elle est en local, fait chier. Moi je pense il troll, moi je pense. Bon, faut qu'on passe 9 maintenant. Tant pis pour Jhin 2, mais j'aimerais bien avoir Jhin 2 quand même. Oh, il y a un 7-2 lui. Oh, zombie. Le problème c'est que seulement 2 sharp, c'est pas ouf quoi, mais bon. Avec sharp carry. Ouais, c'est ça quoi, c'est pour ça qu'on galère un peu, c'est que ok, certes j'ai une Jinx 3, mais comme elle a sharp 2, bon. Tu vois, elle manque de dégâts de ouf là. Et là je vais perdre. Ah, je suis deg. Elle recast. Est-ce qu'elle recast avant de... Non, jamais hein, putain. Ah, c'est chaud hein. Alors du coup, est-ce que vous avez réussi à savoir s'il troll ou pas le chat? Est-ce qu'on a réussi à élucider la question? Est-ce que la théorie se confirme ou pas? Il troll pas. Ah merde, ah oh, c'est chaud du coup. Non, en vrai, je suis sûr qu'il troll en vrai. Il vous troll à mon avis, c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il vous troll, les mecs. Il dit qu'il troll pas, mais c'est exactement ce que dirait un troll en vrai, je pense. Ah, c'est sûr. Moi, si je faisais troll sur un chat Twitch, je dirais que je troll pas non plus, hein, c'est sûr. Alors qu'en vrai, c'est méga obvious qui troll en vrai. Tu scores dans les 6 fortunes. Des fois, on l'enlève pas, des fois, quand on est à l'article de la mort, ça dépend. Dépend des jours. Ouais, ouais, ouais. Regarde ton 6 fortunes de ce matin. Il y en a un deuxième là. Mais il était mieux parti. Mais en vrai, comme on est une Jinx 3, c'est pas si ouf que ça, limite Jinx 3. Tu vois, je me demande même si c'est pas mieux de juste avoir Jinx 2 et tu la vends en late pour switcher sur une combo full légendaire quoi. Comme j'ai fait dans la vidéo de ce matin quoi. Parce que là, tu vois, c'est compliqué d'entrer 4 sharp quoi. Mais bon, faut qu'on arrive à regagner les fights quoi, c'est super important dans tous les cas mais. Ah, ça va, j'ai l'impression qu'on va peut-être gagner là. Si ma Jinx elle se bouge le cul. Yes. Ok, nice. Donc là on cache in 2 défaites plus les victoires. Allez, mon tank. Fais péter les meilleurs coups de main de Nico là. Allez, double coup de main de Nico. Attendez, what? J'ai une faune là, j'ai pas rêvé. Orage de mon phonage. C'est à quoi Cassio? À stun des gens. Orage de mon phonage. Par contre, y'a full talon dans la méta, zombie quoi. Franchement, c'est vraiment une méta où faire des Brumblevest, c'est un autre joke. Et lui on lui casse la gueule lui hein. On va même le tuer. Ok, nice. Ok, nice. Ah, il meurt, nice. Ah, j'aurais pu avoir une fun ça. Franchement c'est unlucky en vrai. Quand tu dis que j'aurais pu avoir une fun, c'est vraiment unlucky en vrai. Attends que j'y pense. Tant que le démon. Tant que 3 le démon.
Eh ben c'est bien. J'ai une spat Warlord. En plus je vais jouer Azir en plus. Donc on va pouvoir jouer Warlord en vrai. Je vais faire Jhin Warlord je crois. Ok. Est-ce que je chill encore un tour ou pas? Non vas-y on va chercher un Warlord vas-y. Un Azir pardon. J'ai rien trouvé quoi. Enfin, c'est fort ça. Mais... En vrai, est-ce qu'il y a mieux que jouer... est-ce qu'il y a mieux que deux sièges? J'ai pas mieux que deux sièges, on est d'accord. On va jouer deux sièges. Deux sièges, c'est quand même la famille quoi. Ok. Pourquoi Teemo? Pas jouer Teemo, ça va pas à la tête. Là, on est très ambitieux dans cette game, le chat. Ne vous en déplaise. Ne vous déplaise. En lançant la javanaise. Nous habillons, n'est-ce pas? Le temps d'une chanson. J'ai vraiment une faune là. Une petite faune là encore là. Une petite faune, toujours des petites faunes. Y'a de quoi devenir dingue. De quoi prendre un flingue. Faire des faunes, des petites faunes, toujours des petites faunes. Des petites faunes, des petites faunes, toujours des petites faunes. Tra la 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 l'air. Ta la 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 l'air. On fait sèche 3 et on pourra rentrer en Azir après. Il faut de défaite pour fun. Pas du tout. Absolument pas. C'est une grosse giga connerie. Est-ce qu'on peut le ban s'il vous plaît? C'est une fake news ça, je reconnais ça. Alors... Atrox a sorti talon de l'ulti de Sejuani, heureusement qu'il y a deux Sejuani. Là c'est super close comme fight, je vais perdre. Hein. Lui il est fort, lui il me fume lui. Faut un Azir pour me protéger contre lui de toute façon. Le montre, je fais les trous. Des petits trous, encore des petits trous. Et putain de merde. J'aurais jamais sèche. Il est one of talon. Oh, c'est chaud en vrai comme game là. C'est chaud de ouf là. Ah lui je le fume lui. Je pense que je le turbo fume quoi. Lui j'ai trop de frontline pour lui en vrai. Ah, c'est le talent qui du coup peut squip ma... Comment dire, dodge ma frontline quoi. Ça c'est trop chiant quoi du coup, mais lui en vrai c'est free win quoi. Pour sortir de mon trou, oh je fais les trous. Il y a un Azir Divine, mais j'ai pas de Divine. Oh, très embêtant ça. Y'a pas une 16. Y'a pas de 16 de année. Je suis pas une de Dusk là, non? J'aurais jamais 20% d'AP en plus sinon. J'ai mis 20% d'AP en plus, hein. Nick, hein. Turbo Nick en fait. Alors, tu peux cacher pour ta Jinx? Bah, j'ai pas les moyens. Il faudrait que je me donne une faune de plus, quoi. Faudrait que je sois un petit peu généreux avec moi pour une fois. Ok, pas de chance hein. Pas de chance. Je pourrais... C'est peut-être le moment de vendre Annie en vrai là. Peut-être le moment de quitter les 6 fortunes je pense. Non, j'attends encore une défaite je pense. C'est ok à mon avis. Je pense qu'attendre encore une défaite c'est ok. Je dirais. Enfin si je perds je vais devoir la virer quoi. Jhin avec la spat, ça sert à rien parce qu'on en a que deux. Ça sert à rien de mettre la spat sur Jhin. C'est même turbo nul. Et à partir du moment où Talon est pas sur la Jinx, c'est free win en vrai je pense. Merde, c'est le putain, c'est le fantôme fait chier quoi. J'aurais bien mis une tôle au vrai là parce qu'il a beaucoup de PV. 6 fortunes jusqu'à la mort. Non, je pense pas non. Je pense que c'est 6 fortunes jusqu'au PVE là. Et après on vend Annie cette connasse.
Je pourrais peut-être même faire le swap maintenant en vrai. J'ai assez de gold là, en fait là pour choper. Ah, tiens, il y a un talon. Je vais pas le prendre pour faire rager l'autre bâtard de tout à l'heure là. Allo? 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 Allo, monsieur Leblanc? Charge fabricale. Donc là, tous mes persos sont Jésus, c'est ça? Attends, mais il a talon 3 maintenant. Oh, mais moi j'ai bientôt Zilean 3, j'ai pas peur, si. Non, je le fume, hein. Je le turbo fume, hein. Oh, je l'ai défoncé avec son talon 3, putain. Rien à battre, hein. Rien à battre. Oh là là là. Non, là, le problème, c'est que du coup, j'ai plus les 6 fortunes, donc en fait, j'ai plus de chance d'avoir des coups de main de Nico, quoi. C'est quoi ça, talk? Pour sortir de mon trou, oh, je fais des trous. Allez, file-moi un coup de main de Nico, s'il te plaît. Potage Katarina. C'est vrai, ça. Les films du plein pays. Allô? Allô? Oh! J'ai eu deux coups de main de Nico. Oh non. What? Je suis trop deg. J'ai raté les selles, ouais, mais non, en fait, non, mais si vous voulez, j'ai full AFK, je m'en battais les couilles en fait. J'ai full AFK pour trouver Zilean, mais bon. Mais je pouvais pas, c'est le dernier fight là. Ah, il y avait encore un fight, en vrai, j'aurais pu tempo un fight de plus, j'avoue. Non, j'avoue, ça dégoûte, mais bon. Comprenez-moi aussi. Eh ben oui, mais ouais, comprenez-moi, c'est pas ma faute en vrai. Hein. Franchement, c'est pas ma faute en vrai. J'aimerais que vous me compreniez. Franchement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour choper Zilean, les gars. 100% Zilean dans le prochain. Ouais, mais ça veut rien dire, ça, du coup. C'est résultat orienté, ça, les gars. Franchement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la France, en vrai, no joke. Ça fait quoi, Zilean 3? Ça fait des trucs de ouf, Zilean 3 en plus, hein. T'as plus Warlord, du coup. Oh, bah, super, ça me traumatise, ça. Oh là là, terrible, quoi. Ah, franchement, je suis déçu, hein. J'espère que vous m'en voulez pas trop, j'espère. Vous me comprenez, j'espère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la France, en vrai. Pour YouTube. Et j'y peux rien, franchement j'y peux rien en vrai. Vous êtes dur avec moi. Franchement moi j'y peux rien en vrai. C'est pas ma faute si le jeu m'a baisé, quoi. T'aurais dû acheter les talents de toute façon. J'aurais dû prendre le talon élu, ouais, grave. Putain, Zilean 3, quoi. Ah, c'est dur, hein. Je suis d'accord, c'est dur, mais c'est la vie, hein. Shit happens, hein. Imagine je perds maintenant. En vrai c'est chaud là, hein. Pourquoi Zilean on paraît c'est bon, moi je défonce, quoi. Je suis tellement fort dans la game, quoi. Non, vraiment, je suis déçu parce que j'avais 40 gold et j'ai pas trouvé un seul Zilean, quoi. Zilean 3 s'arrivait avec 10 unités avec 10k HP, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, avouez que la game était quand même bien.